très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale de la semaine du 2 mai au 8 mai. On y va tout de suite. Quels sont vos messages? Alors, un petit message général ici pour vous, pour cette semaine du 2 au 8 mai. Pour vous les Vierges, semaine du 2 au 8 mai. Quel est le conseil pour vous? Elle est tombée. Alors, quel est le conseil pour vous, les amis? Purifiez-vous. Alors, c'est très intéressant ici. J'ai énormément de bleu et j'ai beaucoup de vert. Le bleu, ici, me ramène aux émotions. Donc, il y a peut-être des émotions qu'il va falloir purifier, qu'il va falloir libérer au cours de la semaine, ici, pour vous, les Vierges. Et j'ai aussi de l'herbe, ici, dans un verre. C'est comme si, au lieu de boire de l'eau qui alimenterait davantage, finalement, les émotions... Alors, je vous rassure, il faut boire de l'eau, hein, par contre, d'accord? Non, mais en fait, c'est vraiment symbolique ici, au niveau du ressenti. C'est que ce qui vous dit, ce qui va vous nourrir et apaiser peut-être les émotions, hein, un peu comme finalement si on buvait un élixir ici pour pouvoir guérir de quelque chose, j'entends. Eh bien, ce qui va guérir le côté peut-être émotionnel ou purifier le côté émotionnel, c'est de boire un grand bol d'air ou tout simplement, ici, l'herbe renvoie finalement à la terre, hein, à Gaïa. Et du coup, on vous invite, le conseil pour vous les Vierges cette semaine, c'est de vous aérer, d'aller vraiment vous ancré dans la nature, d'aller vraiment au contact de la nature. Alors, éventuellement de la terre, parce que c'est vraiment ce qu'on m'indique ici surtout. Donc, la forêt, votre jardin, par exemple, si vous avez un jardin, il est peut-être aussi question, pourquoi pas, la mer ou la montagne. En tout cas, reconnectez-vous à la terre. C'est ce qu'on me dit. Ça vous aidera à vous purifier au niveau énergétique, et ça vous aidera aussi à purifier peut-être certaines émotions, me dit-on. Alors, Vierge, vous tournez au 8 mai. Je prends celle qui ne s'est pas retournée. Et on est sur la grâce. Oh, elle est jolie en plus. Il y a encore beaucoup de bleu ici aussi, hein. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Alors moi, ce que j'entends ici avec ces deux-là, c'est qu'au cours de la semaine, on vous invite justement à vous purifier de tout ce qui ne vous sert pas, j'entends. C'est-à-dire que, alors oui, on va avoir besoin de purifier certaines émotions, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ça va aussi aller au-delà de ça pour certains Vierges. Ici, alors j'entends aussi reflet de l'intérieur. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez avoir, comment je vais vous dire ça avec des mots, parce que c'est un ressenti. En gros, ce que vous allez transparaître à l'extérieur, pour moi c'est ça, ne va pas refléter ce que vous avez envie d'être à l'intérieur. Comment je vais vous expliquer? Par exemple, vous êtes déjà peut-être croisé une personne éventuellement en colère. Eh bien, une personne en colère, ça va se voir sur son visage, ça va se voir énergétique, ça va se sentir déjà énergétiquement, mais ça va se voir aussi. Le visage est fermé, crispé, vous voyez un petit peu? Et quand cette personne, éventuellement, a la possibilité de libérer cette colère, de se purifier de cette colère, eh bien, à partir du moment où cette colère s'en va, vous allez voir le visage se réadoucir, les yeux redevenir plus souriants. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, ici ou certaines, vous avez besoin, au cours de la semaine, une purification émotionnelle ou de vous purifier de choses qui ne vous servent plus. Pour retrouver, j'entends, une certaine harmonie extérieure pour que finalement il y ait à la fois un apaisement intérieur qui se voit à l'extérieur. Ici, moi ce que j'entends aussi, c'est j'ai le mot parure, j'ai le mot mise en évidence de la beauté extérieure, vanité, mais moi c'est plutôt le mot comme si on portait un masque. C'est-à-dire ici que à l'extérieur, on met peut-être plein d'artifices pour essayer de faire genre que ça va ou de cacher éventuellement un certain peut-être désordre intérieur. Et on vous dit, bah il va falloir aussi purifier le désordre intérieur pour aussi ne plus avoir besoin finalement de toutes ces parures, d'accord ? Et pouvoir finalement être dans la pleine expression de soi en tant que personne
être le plus naturel et le plus vous-même, j'entends. D'accord? C'est ça? Un petit peu. Bon, très particulier comme message, mais bon, on prend, hein. Alors, Vierge, sentimentale, relationnelle, quel est le conseil pour les Vierges du 2 mai au 8 mai? Beaucoup trop, on va prendre une déjà. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, justement, dans le mois à venir. Pas pour rien, hein, ici, qu'on vous demande peut-être de vous purifier. C'est peut-être, justement, ce qui va... ça va peut-être se déclencher au cours de la semaine. Il va y avoir un gros besoin de s'écouter. Et voilà, ça va être un petit peu... Enfin, je pense que ça se correspond plutôt pas mal. Alors, ici, pour certains... Il va être question d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir par rapport à une séparation qui a eu lieu, déjà, j'entends. Ce que j'entends aussi, alors c'est marrant parce que c'est plutôt une relation à soi-même ici que j'entends aussi, c'est-à-dire que certains sont séparés de leur intuition, de leur spiritualité, peut-être justement à cause de certaines choses qui... Je me dis, j'entends l'expression « aller à l'essentiel ». Il va y avoir peut-être des déclics pour certains ou certaines d'entre vous ici au cours de la semaine sur le fait que on vit dans un monde peut-être d'apparat, j'entends, un monde où finalement c'est l'apparence extérieure qui compte le plus, alors que finalement ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est sa spiritualité, c'est son intuition. C'est vraiment son âme, en fait, qui est à l'intérieur et ça ne se voit pas toujours. Et j'entends ici que on va avoir besoin, peut-être, cette semaine, de purifier, en fait, aussi des pensées limitantes, des croyances limitantes sur le fait qu'on vous a peut-être dit que pour être une personne importante, par exemple, il fallait bien gagner sa vie. Et du coup, il fallait aussi bien paraître, etc. Alors que pour être une personne importante, eh bien, il faut faire surtout des choix... des choix justes, j'entends, des choix alignés avec votre âme. Ouais, c'est ça un petit peu. Alors, et on me parle de maman ici, de côté maternel, donc plutôt un côté douceur justement. C'est le côté de la douceur de la maman que je ressens. Alors, pour certains, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même parce qu'il est possible qu'on ait besoin de retrouver de la douceur par rapport à une séparation qui a eu lieu. D'ailleurs, il est fort possible que certains retournent éventuellement vers leurs parents pour pouvoir purifier leurs énergies à cause d'une séparation qui a été difficile. Alors, il y a un message très particulier pour certains vierges ici. Il est question de quelqu'un qui aurait perdu un de ses parents. Je suis désolée du coup les vierges, je n'avais plus de place sur mon téléphone pour filmer. Ça s'est coupé et je n'ai vu qu'à la fin de votre tirage. C'est pour ça que le tirage est déjà effectué. Mais voilà, je reviens sur ce que j'ai dit, sur ce qui a été dit. Alors, c'était celle-là et celle-là, voilà. Alors, on avait ceci. Donc, le message que j'étais en train de vous dire, c'est que oui, il est possible que certains ou certaines d'entre vous aient perdu quelqu'un de proche, un parent proche, et que vous allez avoir l'opportunité, entre guillemets, de réactiver hein, quelque part votre spiritualité, votre intuition, pour pouvoir entendre ce que cette personne a éventuellement à vous dire. Il est fort possible que vous puissiez recevoir des messages de cette personne, par le biais de votre intuition, bien entendu. Voilà déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me disait aussi? Voilà. Et le dernier message que je disais avec cet oracle-là de l'améthyste love, c'est que vraiment, moi, ce que je ressens ici pour le côté sentimental, relationnel, c'est surtout un message très fort pour vous-même, pour votre relation avec vous-même. Parce que ici, j'ai la lune. Ici, j'ai la carte de la maman. Donc aussi de la féminité, du côté maternel. Et on vous dit ici que vous avez peut-être justement cette séparation peut-être à l'intérieur de vous entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Et que par le biais de cette purification des émotions, par le biais de cette purification de choses négatives en vous, eh bien vous allez pouvoir réactiver cette partie féminine à l'intérieur de vous, faire preuve peut-être de plus de douceur, j'entends, ou en tout cas de plus d'intuition aussi. Donc ça peut être ça aussi. Donc quelque part, il y a un rééquilibre émotionnel qui va se faire ici pour vous au cours de la semaine. Alors, maintenant sur le tirage en 9 cartes du petit Lenormand, voilà ce qui était ressorti.
On me disait en effet avec la carte centrale que l'énergie centrale de votre semaine est basée sur l'intuition, sur les ressentis et sur les émotions, bien entendu avec cette carte de la lune. On me disait également que s'il y avait des difficultés financières, éventuellement ici, ça allait prendre fin parce qu'une décision serait prise et qu'il va y avoir une nouvelle opportunité d'officialiser quelque chose qui mettrait fin à cette situation. Les nuages indiquent une situation temporaire. Donc s'il y a des difficultés financières ici, il y a quelque chose de temporaire. C'est temporaire, ça va s'arranger. On me dit aussi que pour couper avec ces difficultés financières, il est possible aussi que quelqu'un vienne vous aider. Il y a un coup de chance qui va se présenter à vous pour vous aider dans cette difficulté. Pourquoi pas quelqu'un qui, par exemple, peut-être vous prêtera de l'argent. Il est fort possible que ça puisse être comme ça aussi. On me dit aussi qu'il y a une décision à prendre, radicale, j'entends, pour une situation quelconque. Ça peut être vous en tant que patron, ça peut être par rapport à votre hiérarchie. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité ici qui va vous demander de prendre une décision. Il peut s'agir pour certains d'une nouvelle opportunité d'officialiser une formation avec un nouveau patron ou une patronne, ou alors, bien entendu, que ça fait un moment que vous êtes en formation et que là, il y a une opportunité professionnelle qui commence à apparaître. On me dit également que si vous cherchez, qu'il pourrait y avoir pour certains des messages à venir aussi dans vos rêves. Il est possible aussi, hein, vous savez, on dit que la nuit porte conseil, que pour certains vierges ici, on a besoin de prendre une décision. On se couche avec cette idée qu'on a besoin de prendre la décision et on se réveille le lendemain en sachant quelle décision on va prendre. Ça peut être ça aussi, la nuit porte conseil, puisque finalement ici, vous êtes guidé avec cette carte du chien. On me dit que vous êtes guidé par vos guides, par l'univers, par vos anges gardiens. Pourquoi pas aussi par une personne bien concrète, quelqu'un peut-être de très intuitif, de très connecté aussi, qui peut être de très bons conseils pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider à choisir quelque chose aussi. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité, il y a une période de chance qui commence au cours de la semaine. Et on me dit en tout cas que vous avez la confiance à l'intérieur de vous et la force nécessaire pour pouvoir avancer tout au long de la semaine et pour surtout tenir bon le temps que les nuages passent. Hein. On peut me parler aussi de quelque chose en lien, une nouvelle opportunité ou quelque chose en lien avec un ami éventuellement ou une amie de longue date aussi. Voilà ce qu'on me disait. Et le dernier message qui me venait ici en dos de deck, bien entendu. J'ai pas parlé du dos de deck, j'avais commencé d'ailleurs par ça tout à l'heure. On me parle avec la tour d'un besoin peut-être justement de s'isoler pour se purifier au niveau énergétique, pour se purifier au niveau émotionnel, parce qu'on a besoin d'un temps pour soi au cours de la semaine pour y voir plus clair. Justement, si on a une décision à prendre, on a besoin d'un temps de calme, d'un temps de repos, j'entends aussi, pour pouvoir trouver les bonnes décisions et surtout de trouver la décision très juste. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un nouveau travail ou par rapport à un enfant. Il est peut-être question ici aussi de devoir prendre une décision en lien avec une école aussi. Hein. Ça peut être aussi ça, la décision qu'on a à prendre éventuellement par rapport à une école. Soit on a envie de changer d'école à son enfant, on doit déménager, il faut changer d'école. Soit il y a des difficultés pour cet enfant au sein de cette école et on a peut-être une décision à prendre par rapport à l'école. Voilà. Ou par rapport à une crèche aussi. Ça peut être un choix de crèche éventuellement ou de mode de garde aussi pour votre petit bout de chou. Voilà les amis vierges. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.